Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce deuxième épisode sur notre série, sur notre jeu, sur un jeu Rockstar Games, sur Red, sur Dead, sur Redemption, sur 2. Donc sur Red Dead Redemption 2. Normalement on est toujours à deux doigts de... C'est joli hein, je vois pas c'est censé être quoi l'effet, c'est très argenté au début. Et ça me rappelle quelque chose, ça me parle, mais je sais plus c'est quoi. Enfin bon, vous voyez ça cet effet là très argenté. Ça me parle, mais je sais plus c'est quoi. Et je pense que ce sont des impressions d'écran, hein. Enfin des images du jeu. D'écran, enfin vous avez compris quoi. Désolé je parle un peu du nez, je suis pas réveillé. Cool. On est plus ou moins là où on était tout à l'heure. Donc ça, on l'a vu. Je le remontre, histoire de remettre bien dans l'ambiance. Je trouve ça pas mal. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne savent pas et qui sont restés, on va dire, interrogateurs, sur leur cul quand j'ai su en fait ce qui se passait là, c'est que Abigail et le fameux John sont très connus vu que ce sont Abigail et John Marston. John Marston, c'est le héros de Red Dead Redemption premier du nom, c'est le héros de la suite de ce jeu-là. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Il vient de me donner un canoncier, je viens de remarquer ça. Ouais, un canoncier. Ouh! Donc j'imagine que ça va être un tutoriel sur les différents types d'armes. Alors j'ai bien réduit la caméra, j'espère que ça vous plaît. Et donc c'est là où nous allons tomber sur un feu de camp. C'est quand même ultra beau le jeu, je sais pas ce que vous en pensez, les effets, les... Tout est ultra beau. Alors il paraît qu'il est plus beau sur console Xbox One X. Effectivement il est plus beau sur console Xbox One X. Excuse-moi je dis console parce que j'ai l'habitude de jouer sur PC. Mais après c'est une question de point de vue, est-ce que... Par exemple, le jeu est un peu moins flou à longue distance. Est-ce que vous, à longue distance, vous avez des yeux extrêmement précis? Non. Vous voyez le truc? C'est une question vraiment de goût, là, je trouve, personnellement. J'arrive. Indiqué par... Ah, d'accord. Mon coin faire gauche. Si la jauge de santé est complètement vide, votre cheval s'écroule. Oh, cool. L'énergie de votre cheval est indiquée dans le coin inférieur gauche, d'accord, ok. Cette énergie s'épuise lorsque le cheval galope ou saute. Tu vois plus grand chose. Hein. Donc voilà, normalement j'ai utilisé le truc pour pouvoir me mettre juste à côté de lui. La vache. Ah oui, une crevasse. Oh, c'est génial. Donc, ce qui est génial là, c'est qu'on suit de vraies traces et des traces qui se sont résorbées. Et je trouve ça assez stylé. Pour activer la vue cinéma. Alors, maintenez X en vue cinéma pour suivre les routes et les chemins. C'est vrai que c'est joli. Hein.
cette fameuse vue cinéma. Ah, c'est excellent. Vous avez vu comment il baisse la tête pour éviter de se prendre toute la neige qui peut leur tomber dessus. C'est génial, c'est absolument génial. Je pense qu'on va avoir de quoi s'amuser vraiment avec ce jeu pendant très très longtemps, à la même manière que GTA. Hein. Une fois que le mode online sera sorti, ce sera encore plus divin. Mais regardez-moi cette direction artistique quoi, qui vous fout en avant les ravins d'un seul coup. Chose qu'on voit très peu souvent dans ce genre de jeu. Moi, les ravins, là où j'en ai vu le plus, des ravins dans la neige comme ça, des crevasses, c'est dans World of Warcraft, hein, sur des zones qui sont déjà prédésignées, etc. Avec ce qui donne en fait accès à des zones de quête, tout simplement. Hein. Donc c'est des zones en plus, ces ravins. C'est des zones d'action, c'est pas simplement des dangers. C'est surtout des zones d'action. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'ils sont censés être, des gros dangers. Par contre, je ne vois plus la moindre trace. Il en chie son cheval ou c'est moi? Un autre feu de camp? Voilà, non, c'est un cadavre. Un cadavre de cheval. Oh merde. Ah, Blackwater! Oh, pour ceux qui savent pas. Ah, non, faut que je remonte sur le cheval. Je pensais pas que j'allais inspecter le cheval. Ah, je peux l'accrocher au sol. Cool. Ah. On y va! Eh, il me rentre pas dedans! Ah, je suis obligé de le suivre. Vous voyez, je suis très très lent. Ah! Oh là là là. Vous pouvez pas être responsable d'une petite arme de poing à la fois. Vous pouvez intervertir les armes que vous avez avec celles que transporte votre cheval. D'accord, ok. Et sur L1 pour appuyer les armes transportées. Et sur R1, R2 pour sélectionner. Pardon. Relâcher pour vous en équiper. Ouais, je suis pas méga fan. Qu'est-ce qu'il y a? Inventaire du cheval. D'accord. Bon. J'ai pas le choix. J'ai pas méga le choix. On verra que j'aurai des choix d'armes qui seront un peu plus. Disons. Caricaturaux. Pendant le jeu avec revolver ou double revolver. Ça dépend si je peux avoir les deux. Mais bon, vu que je peux avoir qu'une seule arme de poing, c'est pour l'instant pas terrible. On sait qu'on pourra améliorer holster, tenue, arme dans une capacité d'amélioration qui est juste assez incroyable au niveau des choix de customisation, etc. Donc ça va être assez intéressant. Regardez, c'est génial parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on a du mal à percevoir tout ce qui est ravin. Et regardez. Entre le blanc du fond, votre énergie est dans le coin inférieur gauche. La jauge se vide lorsque vous courez, sauter ou grimper. Le niveau du noyau intérieur détermine la vitesse de rechargement de votre énergie. D'accord. Donc j'imagine que faire ce genre de petit saut est beaucoup moins tendu que de. Regardez ça, il est sur le point de glisser. Le personnage essaie de maintenir sa verticalité. Oh, c'est joli. C'est vraiment très joli. Alors j'imagine que ça. C'est pas le genre de choses qu'on verra partout. Ton noyau d'énergie est vide, votre vitesse de déplacement sera réduite. J'ouvre ma sacoche. Je vois que j'ai des bons becs. Restaure légèrement de santé et de sang-froid ou considérablement ceux de votre cheval. D'accord, ok. Du bœuf salé. D'accord. Cigarette de qualité, entame légèrement votre noyau, d'accord, ok. Restaure votre noyau. Et modérément celui de l'énergie, ça c'est cool. Donc c'est ça qu'on prend. Des pêches en conserve, ah c'est super bon. N'est plus vite, continuez de manger ou de boire pour éviter que les noyaux ne se vident complètement. Donc d'accord, il y a un système de noyau et de barre d'énergie. Le noyau affectant la façon dont est gérée votre barre d'énergie. C'est extrêmement intéressant. Alors je sais qu'il y a aussi un système qui fera que si vous bouffez de trop, vous grossissez. Voilà, essayer de courir un petit peu justement pour essayer d'éviter le froid, de te réchauffer. Ce qui ne doit pas être très pratique dans ce genre de temps, vu que la fatigue est surtout ce qui est le plus long de tous les combats. Mourir de fatigue serait atroce.
Marston, you hear me? Marston, ah, j'avais raison. John, John, can you hear me? John, where are you? Je peux pas le refaire. Marston! Oh putain! That's John! We're coming! Over here! Où est-il? He's down here! Down here! Merde, il est tombé! Oh la vache, il est jeune et il a pris cher. Et j'imagine que c'est là qu'il a pris toutes les cicatrices qu'il avait sur la gueule dans l'endroit. Oh, c'est génial. C'est génial. Oh, c'est moi qui le sauve. Pique. Tu m'étonnes. Come on, compadre. Alors compte tenu, regardez, de l'équipement qu'il porte, de l'endroit, du temps, ce qu'il fait là, c'est littéralement surhumain pour nous. C'était encore des époques où on avait des gens qui étaient un petit peu plus puissants que la normale, que la moyenne, j'allais dire. Oui, il m'a indiqué marcher, mais je crois que le personnage le faisait quand même. Je sais pas. Eh merde, crédit. Ah, c'est génial. Bon. Regardez, il a lâché du sang sur mon manteau. Empêcher les loups de s'approcher de John et Ravir. D'accord. Ah bah non. Raté. Raté. J'ai rechargé, je suis bon. On est bon. Je trouve que ma petite esquive était pas mal, même si c'était dans la neige et que dans ce cas-là ça devient... Vas-y, mets-le sur mon truc. Non, c'est le tien? C'est le mien, c'est le tien? Ça c'est le tien, ça doit être le mien ça. Allez Ravir, on y va. Je n'ai pas rengainé, la musique ne s'est pas calmée. C'est entre guillemets un des codes du jeu original. Une morsure. Le dog bite. Je connais un type, un chien mal mordu, il est mort une heure après. Il va pas crever. Pas encore. Effectivement, il va pas crever tout de suite. Regardez ça. Regardez ça. Ce genre de tempête, elle est aussi meurtrière en groupe parce que justement, on se perd les uns les autres. Touché. Touché. Look out on the right. More coming in on the left. Alejate de mí. Oups. Oh, tu viens de me dire sur la vache. Allez. Alors j'ai plus l'habitude des commandes. Et comment des contrôles au joystick. Ah, pour ranger l'arme que vous tenez. Ah, c'est génial. Donc quand je dis que c'est un pisteur, ce serait bien une espèce de pisteur ce mec. Il faut savoir que normalement chacune des personnes du camp a un rôle. Et ils vont chacun avoir leur utilité.
things up ahead, John. That's where we camped. Nearly there. C'est magnifique. Le jeu est absolument magnifique. Que ce soit dans sa direction artistique ou dans sa capacité technique hein, à faire transparaître ce qu'il veut montrer, c'est-à-dire regarder l'endroit. L'endroit est à la fois littéralement fait pour montrer un camp. Vous voyez ça, c'est, regardez la flamme, le toit comme ça, qui tient encore. Ça va, Abigail? Idiotas! Come on, let's get you warm. Joli. Thank you both. T'en prie. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. À mon avis, il va y perdre quelques orteils. Lost maidens need saving. Mais con. You and Dutch talk about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Je les vois avoir froid, j'ai pas chaud chez moi. J'ai envie de faire ça pour avoir plus chaud, mais bon. Le jeu est quand même magnifique. We have been running for weeks. Ouh! We found shelter and been resting here in some old abandoned mine. Il faut aussi penser que j'ai un code pour ce jeu. Comme tout le monde, j'imagine. Donc, on l'utilisera ensemble pour voir ce que ça vaut. Les événements qui se déroulent pendant les que vous explorez le monde d'un intérêt que vous découvrez sont répartis dans votre machine. Ça termine, d'accord. Okay. Ah, c'est génial. L'émergence d'un souvenir, les tâches, les défis, les notifications. C'est absolument génial. Ok. Pour afficher les détails. Briefing de la mission. Le jeune est parti en repérage. Je n'ai toujours pas revenu sous la neige. Arthur et Jarabier partent à sa recherche. D'accord. Briefing de la mission. Ok. Sans trop m'aventurer dans l'expectation et dans la spéculation, des galettes d'avoine. C'est apparemment c'est bon pour le cheval. Je prends. La fin du 1 était très particulière. Elle avait vraiment une fortifiant miracle entamée. D'accord. Il y a le tiroir. Un autre. Ok. Vous voyez, je viens d'ouvrir deux tiroirs dans un meuble, c'est génial. Et donc, je m'attends au même genre de choses vis-à-vis du premier, enfin de celui-là maintenant. Ça ressemble littéralement à un endroit pour améliorer ses armes. They better send some good men after us, cause they ain't never gonna find. But we need money. J'ai pas tout à fait tort. Thank you, son, for your strength. It means a lot to me. Je t'en prie, c'est un véritable plaisir. Alors elle se repoudre, ce qui veut dire qu'on est sans doute dans les appartements de Dutch. Ce qui veut dire qu'il a sans doute passé sa nuit à faire des choses intéressantes, pendant que moi je me les cahiers dehors. Ok. La suite. On va s'asseoir près du feu. C'est pas ça que tu veux que je fasse? Oh bah d'accord. Wouah, génial. Oh putain. Oh, c'est génial. Je suis désolé, hein, mais c'est... Oh. Donc là, c'est ma piole, ok. Saluer. I believe so, and they don't even know we dumped it. Oh well, you can wait then. Excellent, excellent. We weren't there, Jose. I'm aware of that, and they shouldn't have been either.
Il est stylé lui aussi. Alors c'est un jeu qui va nécessiter beaucoup d'immersion, chers amis. Ah non, on va aller dire bonjour à la dame parce qu'il y a une dame dans la maison. J'espère que. You okay in here, Molly? It might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. La queen. Une miche de pain sans doute. On peut pas sauter ni rien. On sort. Alors bien entendu, je vais mettre zéro, et je le redis bien encore une fois, zéro filtre ici, sur ce jeu, en tout cas pour le moment. Juste avoir besoin d'une carte par contre. Où seul? Ah oui, sans radar. Ah. Ah bah on va jouer comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors j'aimerais juste savoir, ça doit être un camp. Non, c'est pas le bon bouton, excusez-moi, j'en chie. Ça doit être là. Non, ça c'est la vue à la première personne. Merde. Y'a pas de grande carte du jeu? Donc apparemment je n'ai pas de grande carte du jeu. En tout cas pour le moment. À part peut-être ici, oui, pas simplement. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Colter. Camp de bande. Ok. Donc là on a Monsieur Pearson et Bill Williamson. On va commencer par aller voir Bill. Bonjour Bill. Attends, faut que j'appuie sur ce bouton. Pourquoi il s'appelle Bill si c'est ravi? Parce que Bill est là-dedans. Ok. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Mike. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. Enculé. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching. Hard! You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. Oh. And this is about Merci. More than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators. Here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! No. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this for their planet. Ok. Alors j'aurais bien aimé avoir un petit peu le... Récupérer mon superbe revolver plutôt que le canoncier. Parce que le canoncier va être un peu moins sympa en termes de longue distance. J'ai aussi compris, vous savez, le petit cerf quand on se remettait à tirer, c'est le moment où il tire sur le chien. Il tire sur le chien du pistolet.
Et en fait, à ce moment-là, forcément, l'arme, vous voyez. Oh. D'accord. Ok. Là, c'est parti. Pardon. C'était pour voir si ça allait l'arrêter. J'essaie de me mettre à son côté, mais j'ai du mal. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and D'accord, c'est plus, c'est, est-ce que c'est une vengeance ou plus une rivalité? Bon, bah, je pense que ça va être une vengeance. Maintenant qu'il balance qu'on va le buter, je pense que ça va être une vengeance. Waouh. Ça c'est vrai. Ah, en plus il a tué sa copine. Ta sœur, du coup. Je me rappelle pas véritablement qui est Annabelle. Ah oui, la fumée elle est là. Je la cherchais. Vas-y, passe devant. Marche pas la vie cinéma. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Ready. Now. OK, c'est parti. We're going to head up here a little. See if we can't get a sense of the layout of the camp. Enlever le blanc. Williamson, Mr. Bell. You two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two, hold position here. Let's go. C'est parti. Attendez, j'ai une arme ici. Qui m'intéresse. Je peux pas? Non, non, attends, il y a une carabine. Oh, il me donne une carabine juste avant, je peux pas l'utiliser. Cette vexation. Pas grave. Il l'a pas encore mis. Autant pour moi. Je me suis avancé trop vite. Oh, des binoculaires en cuivre. Magnifique. Faut que je les... Ah non. C'est définitivement eux. Home? Je pense que oui. Yeah, c'est eux. Il y a au moins... On est à 4 hommes, 5 hommes avec lui. Je vois personne sur le haut. Je compte 5. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Apparemment, faut absolument que je regarde la scène. Vous voyez, quand je fais ça, hop, il revient. Je compte 6 avec lui là. C'est un peu un tutoriel de ce que sera le jeu, à mon avis, plus tard. Faut savoir que le jeu n'était pas simple, le premier, déjà, vis-à-vis de tout ça. C'était véritablement le nombre qui faisait un petit peu la difficulté. Ah, c'est là seulement là que je vais récupérer ma carabine. Ok. Fusil, autant pour moi. Ouais, voilà, vous voyez, c'est pour ça que je voulais absolument. Ok. D'accord. Si je vais récupérer cela, j'ai un lasso. J'ai ma lanterne ou mon couteau. De chasse, bref. Je pense qu'en règle générale, il valait mieux avoir une lanterne. Quoique, non, on peut pas toujours se balader avec une lanterne. On va prendre la lanterne quand même. Il n'y a pas de raison. Soyons un peu plus réalistes.
We'll circle around the far side and go down that way, same as Micah and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur. Arthur, have you completely lost faith in me? Our need. C'est rigolo la façon dont il a l'impression qu'il l'a vraiment. Equipment and a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Hop. Ça va s'exciter un peu, donc je vais. Pardon, je passe devant, bonhomme, hein, mais. Et je perds un petit peu d'endurance. Mais j'ai l'impression qu'avec le sommeil, j'ai tout récupéré. Alors, est-ce que le sommeil soigne absolument à la fois la santé, enfin, l'estomac et l'énergie? Oui, on va dire l'énergie plutôt, c'est plus propre. Alors, apparemment, il va plus vite que moi. Vous voyez, il me rattrape à chaque fois, regardez. Hop, et je m'arrête. Attends, je vais me garer sur le côté. Voilà, clignotant. C'est bon. Allez, vas-y, passe. Il a glissé? Ah, bien me dépêcher un petit peu, mais je suis à fond. Hein. Ça s'excite en bas. Sexy. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Oui, monsieur. Alors je suis surpris qu'il ait pas déjà demandé à dégainer vu que la zone pourrait être. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Carbine à répétition, balle normale. Waouh. Ah, j'imagine qu'il va y avoir tout ce qui est balle pour la chasse. Il était un peu long à se mettre. Oh, c'est génial. Ah, j'aurais tellement voulu le tuer avec mon couteau. Just make the call. You want to take the lead? Go. Engagez la fusillade. Okay. I'll go first. So why they let you go? Je sais pas si je peux l'assassiner avec mon couteau. De prendre la carabine. Il me voit pas. Et il est intuable. Ah non, c'est un pote, je suis con. Chaque fois je me trompe, excusez-moi. Hop, voilà. J'ai une arme longue portée, on va plutôt viser les choses qui se passent au loin. Putain, je pensais... Regardez l'autre là-bas, là. Ok. Lui, il est intouchable. Oh, oh, oh. Hop les bouffe. Wouh. Dégage. Alors, sans, vous voyez, sans le radar, c'est beaucoup plus, beaucoup moins intuitif, beaucoup plus compliqué de repérer. Wow, ennemi. Que je marchais. Ouh! Dégage! C'est pas si simple. Ouh! Salut!
santé. Bien joué. On l'a eu. Oh! Voilà, c'est bon. Ah, c'est le chapeau que j'ai eu. Hop, c'est bon. Je sais pas où est-ce qu'il a... Putain, là-bas. On va voir si je peux me mettre un petit peu plus. Ouh. Ah! Il y a le temps de recharge, regarde, du fusil, la carabine. Voilà, il va s'y remettre. Hop, voilà. Alors, je sais pas comment fonctionne la couverture. Ça a l'air intéressant. Il y en a un juste là. Aïe. Allez. Hop. Tiens, voilà. Ça t'apprendra. O'Driscoll. Balle pour revolver standard. Ah, il y a toujours ça. Alors, dans le Red Dead Redemption 1, on pouvait, quand on dépiautait une bestiole, c'était juste magique parce qu'il le faisait vraiment, en fait. Et il aimait pas ça. Parce que c'est pas sympa de dépiauter une bestiole pour récupérer la peau. Montre goussée en argent. Oh, c'est génial. Ah, j'ai pas eu le temps de... Continue à fouiller un petit peu. Je prends le risque. Et il semblerait que je ne... Si, j'ai pas encore. Ok, bon là je peux plus de trop. On va récupérer ça. Vous voyez des gens vous? Ah oui. Ok, et de 1. On passe à l'offensive. On y va, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Boum! Dans le jambon. D'accord, c'est lance. D'accord. Ok, ça se passe plutôt bien. On les démonte. Hop les. Les objets consommables sont également accessibles via la roue des objets. Utilisez la fortifiant pour restaurer votre sang-froid. D'accord. Relâchez pour utiliser. Miam miam miam. Et ben voilà. Ok. Bon, je vais tout fouiller et je pense que je vais couper au montage. Bon, ça plaît pas à la bande que je les fasse... Oh, un remontant jaune, c'est rigolo. Que je fouille tous les corps. Now, let's tear this place apart. Ok. You go search that wagon there. Où il est mon canasson? Search that building. Arthur, you take that building to the left. Ah d'accord, faut fouiller tout de suite. Right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. J'avais commencé déjà à fouiller. Tiens, regarde-les, ça c'est pas des explosifs ça? Fouiller le coffre. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells fine. Smells good. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss? Pourquoi il est éclairé? Je crois qu'il est en train d'enflammer quelque chose. This is perfect. Oh yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob.
Mm-hmm. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Tac. C'est parti. Bon, j'ai pas tout fouillé. J'en ai fouillé une bonne partie. Excuse-moi, bonhomme. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai quelques objets maintenant. Nécessaire. Une montre. C'est les montres que j'ai en ma possession. Mes jumelles. Et mon bandana. D'accord. Le cheval, ça va apparemment pour le moment. This hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train. C'est pas faux. Alors en position serrée, vous voyez, on est tous un petit peu serrés les uns les autres. En montée, elle avait un peu de mal à la caméra. Mais sinon les images restaient superbes. Regardez ça. Ouais. Oui, garder l'initiative, quoi. Oui, c'est ce qui, c'est ça en fait qui fait que tu gagnes souvent en fait. En règle générale, même dans tous les jeux vidéo, c'est l'initiative. En étant le héros, quand tu as l'initiative, tu es toujours en meilleure position que tes ennemis. Ok, bon, tout le monde s'excite. L'endroit est joli. Regardez ça, c'est un lac gelé. C'est pas magnifique. C'est superbe. Et c'est vraiment l'ambiance du premier, hein, en mieux. Hein. D'accord. De là, je peux pas la voir. Hop là, viens là. Merde, j'ai lâché. Descendez de votre cheval. D'accord, ok. Pour le ligoter. Ok. C'est génial cette histoire. Non, je ne crois pas. Déjà, on le fouille. Pas d'armes. Petit peu d'argent, un tonique. Allez, tu viens par là. Saucissonné comme t'es. Étudier. Tennessee Walker, B marron. Ah d'accord, c'est mon cheval que j'étudie. Ok. Chargé. Hop là. Et on le monte. Tout simplement. C'est pas affiché, mais on le monte. Disney Rail le plus court est une destination présentée par la ligne jaune sur le radar. Ça doit être par là. Ça va aller, canasson, ça va aller, t'inquiète. C'est génial de pouvoir faire disparaître la carte et l'apparaître au moment des embranchements. C'est vraiment génial. Comment ça, économiser ton souffle parce que tu vas en manquer dans peu de temps. Regardez ça, la couleur du ciel, c'est magnifique. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Mérico, Mérico. On devrait être tranquille sur le reste du trajet normalement là. Sinon je le traîne avec le lasso, c'est pas grave. C'est pas très honorable et je trouve ça même assez méchant.
I don't care. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Clear? Okay. Il va en dire deux. C'est magnifique. Oh. Oh là 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 là. Pauvre chevalier, prends cher. Allez, on arrive au camp. Ok. Hop là. Prendre du cheval, la carabine à répétition. Non, ah, parce que j'ai reposé automatiquement, d'accord. Enlever Kieran, c'est parti. Allez, viens par là. Quelle cabane? D'accord, juste devant la cabane. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. Who shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! No, I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son! Well done, Arthur. Hey. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. L'optimisme du commandant du chef. Okay. Allez, on va se réchauffer près du feu. Et une nouvelle journée va commencer. Voilà. De vieux amis. Dans l'espoir de trouver des informations sur l'attaque d'un train planifié par les deux O'Driscoll, Dutch et sa bande attaquent leur camp. Hein ? Oh. 15 tirs plein de tête, une mission en moins de 15 minutes et 30 secondes. Bon. Ah oui, il y a toute la mission à faire. Tuer 3 ennemis lors d'une même utilisation de sang-froid, attraper et ligoter Kieran en moins de 45 secondes. D'accord. Ah, donc il y aura moyen de les refaire, j'imagine, les quêtes. Cool. Pour les avoir dans la meilleure... Génial. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte? La demoiselle, allez voir. On va quand même aller voir les différentes autres maisons d'abord. Enfin, en tout cas, je vais le faire. Je vous dirai au montage si c'est valable ou pas. Ok, bonjour. Oula, oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de bouffe sur la table. Qu'est-ce qui t'arrive, Pearson? We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. J'ai pas pensé à le mettre, mince. We always have. If needs be, we can eat you. You're a I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a pas fool. Fou. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Il a un arc. Vous avez vu? Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted, awful. Starving would be preferable. Come on, let's go.
You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Il est brave, hein. Il est brave. Y a pas de souci. Oh, il a un dalmatien. Here, you take this. Oh. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Je vais devoir tirer à l'arc. We'll scare off every animal for miles around. Ah, c'est vrai. C'est vrai. I imagine. All right. Je peux pas voir les armes. Un sortiment de tripes salées. On va essayer de se mettre à côté de lui. Hop là. Eh ben. How are you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. Ça va venir. Ouais, ça va venir. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. C'est malin. Donc on a un chasseur, un pisteur. Un cuisinier. Un leader. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Ah, j'ai du mal à le rattraper, regardez. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je suis désolé. Hein. Et là, je parle autant du jeu que de la direction artistique. Hein. Regardez les petites bosses, les machins, les trucs, les traces de pas, les arbres tous enneigés mais pas entièrement. C'est magnifique. Tout est magnifique, regardez, on voit rien devant nous. Comment veux-tu que je chasse à l'arc? Magnifique. Même le petit... Regardez, même la flotte. Magnifique. Bien, avec le cheval renforcé, vous pouvez maintenant cabrer avec ce cheval. Maintenez R1 et appuyez sur le mobile pour profiter de cette manœuvre. Cool. On s'est augmenté au rang 4. C'est génial. C'est génial. Énergie augmentée au niveau 5. Cool. Donc voilà, vous avez des chevaux différents, avec des capacités différentes. Mais au-delà de ça, vos chevaux sont améliorables. Votre cheval s'améliore au fur et à mesure du temps que vous passez avec lui, du lien que vous créez avec lui. J'ai pas lu ce que tu as écrit du tout. Par contre, si je fais ça par exemple, c'est la carte. Ok. C'est pas du tout ce que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Tâche, défi. D'accord. Notification, rien. Le lendemain de la jeunesse, d'accord, c'est là. Je vais Charles. Et on n'a pas d'autres informations pour le moment. Allons-y. Avec une petite trace toute fine là. Recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Dak. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Vendu. C'est vraiment un tutoriel très particulier. Mais j'aime bien. Mais t'inquiète pas, j'ai déjà joué à The Hunter Simu, enfin The Hunter Call of the Wild. On va remonter la piste, hein. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. L'œil de lynx. Oh. Oh. Ah, faut que je laisse activer. Suivez la piste. Ah pardon.
Ah d'accord, regardez, elle est encore affichée. Ah oh, c'est génial. Alors ne regardez pas que la piste hein, les amis, j'imagine. La piste c'est ce qui vous fait aller dans une direction, mais c'est pas la zone qu'il faut regarder, il faut regarder devant vous. Même si là je pense que... Attendez, c'était quoi? Bon bah je l'ai plus. Ah non d'accord, donc il y a bien un temps. En mode les uns vous entendez repenser par le. Dans le sens du vent. Prendront la fuite alors quand vous chassez restez en face au vent ou assez éloigné de vos proies. Regardez sous mes bras. Ouais, donc là je chasse avec le vent dans le dos. Qui n'est pas bon du tout. Oula. Calme-toi. Ah d'accord, ok, regardez en bas à gauche, j'ai plus d'énergie du tout. Et je crève la faim. Donc, sacoche. Donc, provision. Donc, on va manger les tripes. Ah la vache, j'arrive pas, hein. Faut que je mange autre chose. Dépêche, ça va être parfait. Voilà. Ok, calmons-nous. Laissons l'énergie remonter. Raté. Raté, Marcus, t'es trop mauvais. Bon, réessayez quoi? Essayez quoi? Y'a plus personne là! Et tu m'aurais dit que je devais la tirer avant! Plus là, j'imagine que dans le carnet. Non, c'est bon. Ah, peut-être que je le sais qu'à la fin ça. En même temps, avec un arc pareil. Oh, regardez là-bas. Quand vous enfuyez. Merde. Heureusement que ça me disait que je pouvais les attirer de cette manière. C'est mal parti cette histoire. C'est mal parti. Très mal parti. Il tremble tellement à l'arc. Et regardez, j'ai déjà plus d'énergie. Ouh. J'ai déjà plus d'énergie. Hop là, j'en ai un tout petit peu. Touché. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je pouvais pas le... Ils sont là-bas.
On peut pas le dépiauter? Bon. Un brin décevant. Et... Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez! Il faut que je mange avant chaque tir de flèche, quoi. Putain, mais... Mais oui, mais t'es rigolo, toi. Focus, focus. Mais il est drôle. Il est tellement drôle. J'ai tellement peu d'énergie sur moi, enfin, en termes de bouffe, que j'arrive pas à... à en garder suffisamment. Regardez. Faut que je bouffe quoi pour avoir de l'énergie? Y a haricots rouges en conserve? Ah ça y est, la journée. C'est rigolo. Got it. Well done. I think that's all we can carry. Voilà, là je l'ai eu. Ah d'accord, on peut pas. Oh merde, oh pauvre bête. Désolé, je préférais encore te voir morte malheureusement que... que souffrir longtemps dans la nature. Désolé. D'accord. Qui m'a entendu seulement? Oui, il m'a entendu, génial. Allez, canasson, viens là. Ah, oh, c'est génial. Hop, cadeau. Are you gonna put that on your horse? Ready to head back when you are. Come on, c'est parti. Ah, oh, c'était à la fois génial et un peu... On sent que le personnage n'a pas l'habitude en fait, c'est ça le truc, c'est bien fait hein, on a vraiment l'impression qu'il n'y arrivera pas, vu que ce n'est pas son truc. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. C'est pas simple hein. Ça coûte énormément d'énergie. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Ça me semble logique. C'est clair que vu la tempête qu'on s'est bouffé. If we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. Ouais, voilà. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. C'est classe, c'est très très classe. Alors je ne vais pas couper les déplacements, pour la simple et bonne raison que ces déplacements-là sont tellement magnifiques à regarder, et il peut se passer tellement de choses à droite à gauche, je pense que... Donc c'est vraiment l'ambiance du jeu à fond. Ce qui va rendre à la fois le montage très facile et très compliqué, parce qu'il va vraiment... C'est vrai, en fait, les zones que je vais couper vont devoir être très précises. Mais bon. Ah, je l'ai bouffé. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her. Vu l'endroit où elle vit. Everything she had. Pas faux aussi. Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. Bah, on l'intégrera à la bande. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Oh oui. Oh, ce serait tellement propre. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months.
I guess because they've been over this way. Pas faux. Mais pour l'instant, ouais, c'est surtout des vraies menaces. Hein. Dès qu'ils nous voient, ils tirent à vue. Hein. Pas... Non, non, c'est moi qui attaque en premier la dernière fois. Si j'attaque en premier la dernière fois, c'était simplement parce qu'en fait, j'avais l'initiative. Et comme j'avais justement dit que l'initiative dans un jeu vidéo, ou même dans n'importe quelle situation, est un avantage considérable. Ah putain, je viens de remarquer un truc, regardez. Regardez le corps de la biche qui se soulève vis-à-vis du cheval, enfin du cul du cheval quoi. Oh là là, là 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 là, ce détail magnifique. Le corps se lâche les poils hein, je sais pas trop vraiment. L'ours ? He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Storms like this are the worst. Oui, oui, puis c'est un prédateur, il sera habitué entre guillemets à nous voir. Quelque chose me dit que si on prenait pas. Enfin, ouais, là, encore une fois, on parlait de l'initiative. Peut-être que j'aurais dû. Les animaux sauvages étant particulièrement instables, l'initiative est un avantage, encore une fois, extrêmement important. Mais oui, comme dans beaucoup de jeux vidéo, l'ours est un animal. Ah la vache! Ça va aller, ça va aller. Ah bah dis donc! Ça va aller, t'inquiète pas. Pauvre canasson. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. And I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. Just. Ouais, c'est vrai que compte tenu du. Run it alone, no problem. Voilà ce que j'allais dire du, cap, du skill du bonhomme avec son arc, tout ça, etc. Le mec tout seul dans la nature, il est peinard. Il chasse, il piste. Pas de soucis. Surtout à cette époque-là. Le seul aspect, c'est qu'il est tout seul. Et s'il est tout seul, et qu'il tombe face à une bande, c'est fini. Dutch est différent. Oh, oui. Dutch est certainement différent. Il me traite fair. La plupart de vous le font. Et pour un fellow avec un black father et une indienne mother. Ah, sympa le mélange. Well, we need you now. More than ever. Good. How long have you been with these boys? Why ain't you run off? Hey? 20 years. Oh la vache! 20 ans qu'il est dans le groupe. 20 ans dans une bande, ça doit pas être simple, hein. John too. Tell me a few other things, him and Jose. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. Il a vraiment donc un vrai leader. Petit courant d'air. Carte d'acquisition qu'on a un tout petit peu chié là. La clignoté bleue. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. Ouais. I tried to ride the count once. Fuck me, dans Red Dead Redemption, le premier du nom, il y avait eu un mode zombie. Toute la même map, hein, c'est exactement pareil, mais en gigantesque. Et avec des zombies. Et il y avait un cheval immortel, un cheval d'os, qu'on pouvait monter. Regardez comment elles ont gelé les biches. Et là, il y a de la bouffe pour au moins pour deux jours, vu le nombre qu'on est. On est 12. Pearson, pourquoi il va par là?
Ah oui, là, c'est là. Autant pour moi. Crac. Là, 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 mon pote, t'as de la matière. Là, je peux pas là. Hop là. T'as vu ça? Camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loved me really. It's his sad way. Donc c'est lui le. No, it is. L'alcoolique de la bande. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Miam. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Y'a que ça de vrai, y'a que ça. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one that you dumped on the floor there. Et donc ce sera exactement comme dans le premier. Du sang partout. Oh. Oh non, il montre. Oh, oh. Oh la vache. Dans l'autre, en fait, il se penchait dessus. On avait la caméra en contre-plongée qui montrait le visage. Il y avait du sang qui apparaissait sur l'écran. Bla bla bla. Et on voyait que dalle. Legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, c'est presque dommage d'avoir laissé la truc par terre, quoi. Je veux dire. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting. Oh. After all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to vider le sang. Tout ce qu'il y a à vider. Make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Excellent. Enfin, excellent. Réaliste, excellent, je sais pas, hein. Les défis de grands chasseurs, pour en savoir plus, consultez le journal, quelques jours plus tard. It's been a bad few weeks. But Dutch, woo! Being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. D'accord. On revoit le sol, c'est bien. Qui est donc Leviticus Cornwall? I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. Le révérend, d'accord. You're still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look, Asher. It was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. Oh! See me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Enorme. Bide your time. Enorme. See plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now. Je sais plus comment il s'appelle le fils. Bill, ah, c'était énorme de le voir. Tout jeune. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Jose? Vous avez vu son cheval? C'était pas un grand cheval de course. Il avait pas les bonnes pattes pour ça. But we need money. Everything we have in Blackwater. You fancy heading back there? Non. Listen, don't try and trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall. Pas faux. C'est pas faux ce qu'il dit. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get cool. Your horses ready. We have a train to rob. Génial. Absolument génial. Et voyez, regardez, ça a fondu. On revoit le sol. Hop.
Mais nous, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir donné. N'hésitez pas le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve dans le prochain pour la suite des aventures de Monsieur Morgan, comme disent, de Arthur Morgan. Voilà. Salut!